vu le modèle d'organisation qu'on a ici. On peut toujours avoir besoin d'un gars comme toi. Un ancien soldat qui en a dans la cervelle, qui a pas de casier. Et alors ici, c'est quoi votre objectif? C'est d'activités révolutionnaires dont je te parle, Nate. J'ai un informateur. Quelqu'un pour les infiltrer. On contribue à faire changer les choses. Nous sommes les soldats d'un directeur de pensée. D'abord ici. Et ensuite ici. T'as pas dit? On sait où tu crèches. Je ne suis pas qualifié pour ça. Je ne sais même pas si me défendre. Si je dis que vous l'êtes. Entretenez des rapports avec eux comme avec des êtres humains. On voit ce qu'on veut voir. Mais ce n'est pas parce qu'on ne regarde pas une chose. Tu vas où, toi? Me touche pas. Que cette chose n'est pas là. Ça va, Nate? T'as l'air un peu ailleurs. Un grand événement qui arriverait bientôt. Un événement qui réveillerait la population de ce pays. Oui, un énorme complot terroriste. Le jour s'est levé en Amérique, un jour nouveau et plein d'un grand espoir. Hé, hey, t'es un flic de merde. Ouh. Ce sont des cinglés, des fanatiques, ils ne se laisseront pas prendre vivant. Que le diable triomphe. Il faut seulement que les hommes bien... ne fassent rien. Je vais te poser une question, Nathan. Qu'est-ce que tu penses des agents infiltrés? Tu soupçonnes quelqu'un? Ah, tu sais ce qu'on dit dans ces rassemblements. Tu regardes à gauche, tu regardes à droite. T'es sûr qu'une des personnes est un mouchard. C'est à gauche.